Bonjour et bienvenue sur Histoire d'un crime. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à partager et à commenter. Merci et rentrons dans le vif du sujet de notre affaire. Notre histoire d'aujourd'hui nous emmène à Boston, aux États-Unis, une ville qui est l'une des plus anciennes du pays et un véritable trésor d'histoire américaine. Boston est également célèbre pour ses institutions éducatives de renommée mondiale, dont Harvard et le Massachusetts Institute of Technology. C'est une ville qui marie harmonieusement le charme historique et l'innovation moderne. Au cœur de notre récit se trouve une femme du nom de Jessie Correia. Jessie était mariée à Miguel Castro, avec qui elle avait une fille, Gabriella. Cependant, la vie conjugale de Jessie était loin d'être un conte de fées. En 2018, elle a subi une attaque brutale de la part de Miguel. Malgré ses tentatives pour le quitter, la violence de Miguel a escaladé, culminant en une correction sévère. Cet incident a poussé Jessie à chercher l'aide de la police, ce qui a conduit à la condamnation de Miguel et à une peine de prison de 4 ans. Sur le plan professionnel, Jessie était une serveuse dévouée chez Del Frisco, un restaurant renommé de Boston. Elle avait une passion pour la danse et la photographie. Et elle chérissait chaque moment passé avec sa famille, ses amis et surtout sa fille. Elle aimait les sorties au parc avec Gabriella, créant des souvenirs pour l'avenir. Le soir du 23 février 2019, vêtue d'une combinaison orange, Jessie avait prévu de fêter son 23e anniversaire avec ses amis. Pour célébrer cet événement, elle a laissé sa fille de 2 ans avec sa famille. Le lieu choisi était Venue, une boîte de nuit animée située dans le quartier des théâtres de Boston, sur Warren Street. Jessie et ses amis ont passé la nuit à danser et à savourer du champagne. Après la fermeture du club, Jessie et 2 amis sont sortis dans la nuit, mais comme c'est souvent le cas dans de telles situations, les amis se sont séparés, laissant Jessie seule. C'était la dernière fois qu'elle a été vue. Les tentatives pour la contacter ont été vaines, son téléphone allant directement sur la messagerie vocale. Pendant 2 jours, il n'y a eu aucune nouvelle de Jessie. Sa famille, inquiète, n'avait aucune idée de l'endroit où elle aurait pu être depuis ce dimanche fatidique. Son père, Joaquin Correia, accompagné d'un ami, s'est rendu à la police pour signaler la disparition de Jessie. La police a lancé une enquête à grande échelle, commençant par retracer ses pas après la discothèque. Des tracts ont été distribués dans toute la ville, implorant le public pour toute information. Malgré l'interrogatoire de ses amis qui étaient avec elle cette nuit-là, l'enquête a rencontré un obstacle. Aucun ne savait où elle était allée après avoir quitté le lieu. Cette nuit-là était la dernière interaction qu'ils avaient eue avec Jessie. Dans le cadre de leur enquête, la police a analysé les témoignages et les images de vidéosurveillance de la discothèque et des rues environnantes. Un élément crucial a été découvert dans une vidéo capturée à 2h14 du matin sur Tron Street. Jessie, à l'extérieur de la discothèque, est vue interagissant avec plusieurs individus. Visiblement éméchée, elle entre par erreur dans un Uber qu'elle n'avait pas commandé, ce qui conduit à une dispute animée avec le conducteur qui la force ensuite à sortir du véhicule. La situation s'intensifie alors que Jessie continue à se disputer avec le chauffeur Uber. C'est à ce moment-là qu'un homme inconnu s'approche d'elle, semblant offrir de l'aide. Les images capturent une interaction troublante. L'homme tenant les mains de Jessie semble la retenir malgré ses tentatives de partir.
La caméra enregistre ensuite le moment glaçant où Jassy est contrainte de quitter la zone avec cet étranger. La gravité de la situation devient évidente. Jassy a rencontré un prédateur sans le savoir. D'autres preuves vidéo montrent une scène effrayante. Jassy, dans une tentative pour détendre l'atmosphère, monte sur le dos de l'homme. Il la porte ensuite jusqu'à son véhicule et ils partent ensemble, disparaissant du champ de vision de la caméra seulement 14 minutes plus tard. Face à ces images, la police a pour mission de démêler de nombreuses questions sans réponse. L'identité de cet homme mystérieux, ses intentions, et où avait-il emmené Jassy? La percée dans l'affaire Jassy Coria est venue rapidement lorsque la police a identifié l'homme vu avec elle comme étant Louis Coleman, 32 ans, issu d'une famille bien considérée et titulaire d'un master en physique. Coleman n'avait jamais eu de démêlés avec la justice. Fait intéressant, les registres de la police ne montraient aucun véhicule enregistré au nom de Coleman. Cependant, il a été découvert que sa mère, résidente en Californie, possédait une Buick rouge de 2016, le même type de voiture vue dans les images de vidéosurveillance. La résidence de Coleman était située dans un complexe d'appartements à Providence, Rhode Island, à environ 50 miles de la discothèque venue à Boston. Les caméras de surveillance à l'intérieur et autour de son complexe d'appartements ont montré qu'il n'a atteint son appartement qu'autour de 4h15 du matin le dimanche, soit environ 2 heures après avoir été vu quittant la discothèque avec Jassy. Le trajet de la discothèque à l'appartement de Coleman prenait généralement 1 heure. Cependant, la chronologie des événements indiquait que Coleman avait dû faire un arrêt en cours de route. Coleman a envoyé un courriel à son travail, citant la maladie comme raison de son absence et déclarant son intention de revenir dans quelques jours. « Salut à tous, je vous informe que je suis malade. Je serai de retour dans quelques jours », a-t-il écrit. Cette communication a suscité des soupçons que Coleman cherchait à gagner du temps pour dissimuler des preuves du crime, une théorie qui a pris de l'ampleur alors que les enquêteurs reconstituaient ses actions au cours des 2 jours suivants. L'enquête de la police a mis au jour une série d'images glaçantes de vidéosurveillance, éclairant les événements tragiques qui ont suivi sa rencontre avec Louis Coleman. Sur ces images, on peut voir Coleman portant une femme immobile aux longs cheveux et en pantalon orange, censé être Jassy, dans son immeuble vers 4h27 du matin. Cela a immédiatement suscité des inquiétudes, car Jassy semblait inconsciente ou pire. Le 26 février, le jour où le père de Jassy a signalé sa disparition, Coleman a été aperçu dans un Walmart en train d'acheter des articles qui semblaient incriminants par la suite. Des combinaisons, du ruban adhésif, des bougies, du ruban électrique, un masque, des gants chirurgicaux, des lunettes de sécurité, un respirateur, de l'eau de Javel et plus encore. Son action suggérait une tentative désespérée de dissimuler un acte odieux. Le lendemain, alors que les proches de Jassy distribuaient des tracts de personnes disparues, Coleman est retourné à Walmart, cette fois pour acheter une grande valise et un bidon. Plus tard dans la soirée, des images de vidéosurveillance l'ont montré entrant dans son appartement avec la nouvelle valise, puis aux premières heures du 28 février, la roulant jusqu'à sa voiture. Les images étaient glaçantes, montrant Coleman luttant pour charger la lourde valise dans le coffre.
La police, munie d'un mandat de perquisition, a trouvé des objets incriminants dans l'appartement de Coleman et une benne à ordures à proximité, y compris des jeans tachés, des combinaisons à capuche et des articles achetés chez Walmart. Le 28 février, lorsque la police a arrêté Coleman près de Wilmington, dans le Delaware, ils ont fait une découverte macabre dans le coffre de sa voiture. Le corps de Jassy, dissimulé dans une housse de coussin de canapé et un sac poubelle noir à l'intérieur de la valise. L'examen médico-légal a révélé qu'elle avait subi une strangulation et un traumatisme contondant, et il y avait des preuves liant Coleman au crime par l'analyse de l'ADN. Les autorités de Boston, en visitant la famille Correa, se sont engagées à chercher justice pour Jassy. Au milieu de cela, certains utilisateurs des médias sociaux ont remis en question la décision de Jassy de sortir seul la nuit. Cependant, la procureure du district de Suffolk, Rachel Rollins, a souligné que l'accent ne devrait pas être mis sur le blâme de la victime, mais plutôt sur l'adressage des problèmes sous-jacents de violence contre les femmes. Rollins a exhorté à un changement de conversation sociétale, appelant les hommes à prendre leurs responsabilités et à combattre activement la violence contre les femmes dans tous les domaines de la vie. Louis Coleman a été confronté à de graves accusations d'enlèvement ayant entraîné la mort, un crime passible de la peine de mort ou de la réclusion à perpétuité. Cependant, en novembre 2019, au cours du procès, les procureurs ont présenté un dossier convaincant, présentant une série de preuves, dont une vidéo troublante de Coleman traînant le corps de Jassy dans son appartement. L'accusation a également souligné les recherches en ligne de Coleman après l'enlèvement, qui comprenèrent des questions sur la façon de faire entrer un corps dans une valise et d'extraire une dent. L'équipe de défense de Coleman, dirigée par l'avocat David Hu, a contesté la pertinence de ces preuves par rapport à l'accusation d'enlèvement. David a soutenu que l'accent devrait être mis sur les éléments spécifiques de l'accusation d'enlèvement plutôt que sur les actions de Coleman après la mort de Jassy. Les procureurs ont établi que Coleman était présent dans la même discothèque que Jassy et ses amis. Là, il a interagi avec une autre femme, échangeant même des numéros de téléphone et des textes avec elle. Cependant, la situation a pris un tournant sombre lorsque, selon les procureurs, Coleman a trompé Jassy en lui faisant croire qu'il la conduirait à l'appartement de son ami, ce qui a finalement conduit à sa mort. La défense a dépeint Jassy comme l'agresseur, suggérant qu'une bagarre impromptue entre elle et Coleman a conduit à l'altercation fatale. Ils ont soutenu que ce n'était pas un crime prémédité, malgré l'affirmation du procureur que Coleman, nettement plus grand que Jassy, était peu susceptible d'être dominé par elle. Ajoutant à la complexité du récit de la défense, des rapports toxicologiques ont montré la présence d'alcool et de substances interdites dans le système de Jassy. Malgré ces affirmations, le jury a reconnu Coleman coupable d'enlèvement ayant entraîné la mort en juin 2022. En octobre 2022, le tribunal a condamné Louis Coleman, âgé de 36 ans, à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, lui ordonnant en outre de verser environ 660 000 dollars de dédommagement à la famille de Jassy. Le premier assistant du procureur des États-Unis, Joshua Levy, a souligné le manque de remords de Coleman et ses efforts élaborés pour dissimuler son crime odieux. Le matin du samedi 9 mars 2019, un rassemblement solennel a rempli la paroisse Saint-Pierre à Dorchester, s'unissant dans le deuil pour dire adieu à Jassy. Certains participants ont choisi de porter du blanc en signe de deuil, tandis que d'autres portaient des boutons, des chemises et des sweatshirts ornés de l'image de Jassy et du slogan « Justice pour Jassy ». Au cours de la cérémonie, la cousine et meilleure amie de Jassy, Maca DeAndrade, a partagé des mots sincères, exprimant à la fois la profonde tristesse et la ferme conviction que le décès prématuré de Jassy
n'était pas sans signification. Nous ne comprenons peut-être pas pourquoi, mais Dieu sait. Je suis convaincu de tout mon cœur que sa mort n'était pas vaine, a déclaré Deandrade avec émotion. Le père de Jassy s'est adressé à l'assemblée de plus de 200 personnes, exprimant sa gratitude pour le soutien de la ville et les efforts des forces de l'ordre à travers trois états. Parmi les participants se trouvait la mère de Jassy, qui n'avait pas vu sa fille depuis 20 ans et qui avait voyagé depuis le Portugal, incarnant l'impact lointain de la tragédie. Dans son dernier hommage, les mots du père de Jassy résonnaient à la fois de tristesse et d'amour. « Repose en paradis, ma chère Jassy. Repose en paix, mon cher enfant. » Mes chers amis, nous voici arrivés à la conclusion de notre récit. J'aimerais connaître vos pensées sur cette affaire. N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Et pour d'autres histoires captivantes de crimes réels, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à ma chaîne.